Oh là. Ethan. Has my utility not been amply demonstrated? Has my allegiance not been proved? I followed you across an ocean and across a continent. C'est juste un nouveau plan, c'est tout. I will follow you to hell. I'll lead the way. Ouais. Wolf of God. Ouais, alors je suis pas encore sûr par rapport à ses intentions. Peut-être qu'elle l'aime bien, mais au long terme, je sais pas comment ça va se passer. Prends calmement, fais quelque chose. What are you asking me to believe? That I'm a reincarnation of your witch friend? That you are hunted by vampires? That you commune with Satan? But there is no name for it, Vanessa. It is a dark root without a name from which grows illness. And delusion. Yes. Qu'elle lui montre, qu'elle fasse quelque chose. Let go of me. Besides, release my gun! There are drunk cops outside the window. The city. More blood. He would have hurt my one. He would have killed. Had you not killed him first? Oh oh. Par quoi elle s'est fait attaquer du coup? Shall we walk together? Dracula? Tu m'étonnes. Oui, mais je ne les connais plus très bien. An apparition of memory, I have. You were quite deranged. And violent, they tell me. Lean back, old man. There's another pity of it. Fuck! Putain, il m'a fait peur ce con. Ça c'est cool parce que je me suis dit, est-ce que ça peut vraiment marcher aussi vite comme ça d'un coup? Donc finalement, il y a des... Ouais. Voilà. D'accord. C'est juste une sorte de calmement en fait. We are both. Are we? Et très temporaire. Good and evil braided be. Oh no. We must take the lust and the avarice and the ambition and bury them. All the alien. Calme-toi, calme-toi. All the things we really are. The other one, the other man, we cannot allow him. Voilà, le problème c'est s'il oublie ou s'il est caché de ses. De son injection, il est dans la merde. I can endure it. I have endured it my whole life. Good. Are utter slaves to their desires. Even Dorian. Dorian is an exceptional creature. Non. He's a man. But unlike all others. Homme ou femme, c'est pareil dans cette histoire. C'est juste, c'est des intérêts différents. Can you say different? I am yours. Est-ce qu'ils ont mentionné l'âge de la gamine là? Parce qu'elle a l'air très jeune quand même. C'est les suffragettes? C'est le mouvement qui commence là ou c'était en France? Je sais plus. Ah ouais, voilà. Our enemies are the same, but they seek equality. Oui.
by stealth, by poison, by the threat. Quietly sit in the dead of the night. Oui, mais quand il reste plus que toi, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'ils vont quand même garder une dualité dans son esprit et dans son caractère, pas devenir une mauvaise de A à Z, 100%, je veux dire, un peu plus nuancer le discours, ça serait bien aussi. C'est un peu brutal quand même. Because Ethan trusts you with his life, does he not trust you? The scars for whites in his years go back. Oh, d'accord. Putain, Rosa Parks, viens au secours. C'est un peu trop tôt, mais merde. Travel with the livestock. That's the goddamn law here, Frank. Before you speak another word, I ask you to consider this. How valuable is your life? Do you hold it dear? Does your wife value your company? Do you favor growing old to one day teach your ugly inbred children your grotesque manners? Lay hands on him. That will be your end. Bra. Bon bah il nous a fait la Rosa Parks. Mais 50-60 ans avant. This isn't what it appears. We're not thieves. Tell him to step away from the horses. You know my accent. Fais gaffe. You see, I'm from England. I always wanted to see an actual Western ranch. Thus we found ourselves. No! Putain, elle est rapide. How many corpses have you left in your wake, Ethan? Bon, il est pas tout à fait conscient de ce qu'il fait à ce moment-là. Your bodies stretch from here to the horizon, and you can walk across them without touching the ground. Then you can weep. Ah. Putain, c'est une boucherie. Broken, pretty clean. The rest of them shredded and cannibalized. This ouais, c'est pas la même personne. Suggesting he had help. Hmm. Sorry, I'm going to find one for a lot of money. A cat, that is. And then we have a trickier situation with an Arctic bear. Not an Arctic bear. I'm afraid so. Thank you for meeting me. Shall we walk? Mais il va jamais supporter le rejet. Là, s'il se fait rejeter par sa propre famille, c'est mort, quoi. Is there anyone who might know who lived here before? Where they are now, I mean. How would I know? Well, perhaps they left a forwarding address. Look, friend, are you interested in taking the bloody flat or not? What? I'm interested in finding the people who lived here. C'est pas une bonne idée. Have you often come to Limehouse? No, I've never been here before. Faudra m'expliquer par contre le côté lumière du jour sur la tronche et ça leur fait absolument rien, même s'ils s'en cachent un peu, on dirait. Alan Breck and David continued their escape across the heather. Had a terrific row though, and are at odds. I thought they were going to fight even with their swords. Mm.
psychédélique. J'adorais faire ça quand j'allais au... au parc d'attractions. Je me cognais tout le temps. Ah, il a pas de reflet. Bah oui. Enfin, il a pas de... Les miroirs ne marchent pas sur lui. Te laisse pas faire. Fais une claque ou quelque chose. When was this? Long ago. In the white room where there was no time. No day and no night. Surely you remember, my lady, my lady. Il arrive. Oh, oh. Hé, hey, on a vu son reflet. Oui, c'est le problème. The beast that prowls around your heart. And when you are truly yourself, and not painted with blood, I want to rule the darkness at your side. Bon, elle le cache pas. What if I don't want anyone at my side? Vanessa, please tell me. What happened in there? It's like you saw a ghost. Pas tout à fait. Et en quelque sorte. Tell me what happened. Take it as a sign of something. Like love. Goodbye. C'est bien. Ouais. Meurs. Comme ils raquettent les gens. Et il veut qu'elle fasse la même chose. Super. Ouais, voilà. You recognize this man? He bought me when I was 12. And then charged us £20 to see you tortured and killed. That's £20 total, mind you. £10 each. That is your worth. Oh, lui, il le mérite, clairement. Mais... Ouais. Now what you do, Justine. Such a thing as a pledge. Murderess. Voilà. Et un baiser, voilà, comme d'hab. C'est vraiment juste pour choquer, pour... Visuellement c'est intéressant, mais ça apporte rien de... Rien d'intéressant au niveau des personnages. Au contraire, ça les rend un peu caricaturaux, du coup.
did nothing. You spoke to her. Ouais, t'as tout gâché, mon gars. Faire un peu d'argent, sortir un peu de la misère. I know what I'm asking. Why do you think he was talking about the Banning Clinic? The white room with no day or night can only be one place. The cell I was kept in. According to the records, Dr. Banning attempted to treat you with hydrotherapy and psychotropic drugs. He tortured me. He also performed brain surgery. You were trephined. This has to be the room where I met the master in the past. Oula. Ouais. Ça peut être ça. Uncovered memories are sometimes suppressed for a reason. Mais à mon avis, non. The mind protects itself from what it doesn't want to know. The castle pulling up the drawbridge. You must allow it. I can only facilitate your journey. Qu'est-ce qu'elle va voir? For a while, nothing else. Will I remember? Like you remember a dream, mostly. Now shut your eyes and listen to the gramophone. What was in it? Move your eyes around the room. J'ai presque envie de regarder l'épisode en question, ou les épisodes en question. Mais non, je veux pas le faire parce que je veux garder le mystère. Quoi? Putain. Il travaille à l'hôpital psychiatrique. Oh, bordel. C'est génial, mais ça me... Oh, c'est pas possible. Du coup, on se pose des questions par rapport à comment il est mort, parce qu'on le sait pas, finalement. Qu'est-ce qui lui est arrivé, donc? Et s'il a un lien avec Dracula, du coup. Génial. Mais je m'y attendais pas, et c'est presque frustrant de devoir attendre. C'est juste ça. Je vais faire une petite critique assez rapide, donc je vais en toucher deux mots, voilà. Bon, là, je vais faire une petite critique assez rapide de l'épisode numéro 3 de la saison 3 de Penny Dreadful. Ce qui caractérise principalement cet épisode, c'est vraiment une grande avancée dans la narration. Une grande avancée donc dans le développement des personnages, de leurs histoires, mais grande, mais pas rapide, dans le sens où il y a un rythme qui est très caractéristique à Penny Dreadful, qui est assez lent, qui est lent, mais donc avec qui est quand même prenant compte tenu de la teneur émotionnelle des histoires. Donc c'est ce juste milieu qui est très intéressant, cet équilibre parfait qui est trouvé entre cette lenteur et cette avancée relativement rapide dans le scénario. Et là, dans cette saison 3 en particulier, c'est vraiment notable. Ce dosage entre la rapidité relative du scénario et l'ambiance qui reste tout de même assez lente est vraiment bien trouvée. C'est une chimie qui est vraiment parfaitement mise au point, et c'est quelque chose que je n'ai pas forcément trouvé par exemple dans la saison 1 et dans certains épisodes de la saison 2 que j'ai trouvé déjà meilleur que la première saison. Donc là vraiment on a atteint un niveau d'excellence qui n'a pas encore été qui n'avait pas encore été trouvé jusque-là dans la série, et donc je m'en réjouis vraiment. Donc là, aussi, ce qui est intéressant à remarquer, c'est Vanessa Hives, son histoire. Vanessa Hives est le personnage central de la série, et
on le voit, elle est une source extraordinaire d'histoire, en fait, qui lie tous les personnages entre eux à peu près, ou même complètement, et surtout, elle a un passé et plein d'événements importants qui se sont passés, mais qui ne paraissent pas ramenés de manière fortuite où on aurait essayé de placer des pions ou de placer des bouts d'histoire dans les nouvelles histoires pour créer une cohérence. On sent bien que le travail a été fait bien à l'avance et que tous ces événements qui se sont passés dans son passé à elle se retrouvent maintenant. Et donc ça, c'est très bien fait. Et comme personnage central de la série, c'est important de créer un personnage qui marque... Elle est ce personnage central, et là, dans la saison 3, je trouve qu'on le voit particulièrement bien. Par là, j'entends le fait que dans les premières saisons, les deux premières saisons, bien sûr, on le voit, c'est le personnage central, mais là, on se rend compte de toute son importance, de tout le micmac qui s'est, dont elle s'est entourée, sans même le savoir, à son insu. Et du coup, c'est... Voilà, ça la rend vraiment puissante en tant que personnage principal. Et je m'en réjouis vraiment parce que c'est pas tout le temps le cas. Pas toute la série n'arrive à nous embarquer avec un personnage et à ramener tous les autres, comme un conglomérat si on veut, de personnages autour de ce personnage-là justement, et d'en faire quelque chose qui se tient bien. Et qui évite en plus d'outrepasser leur fonction de personnage secondaire ou de prendre trop d'importance, tout simplement. Donc plus en détail par rapport à l'épisode, j'aurais pu regretter la scène finale s'il s'agissait d'un événement qui s'était produit avec le Dr. Sweet, donc dans l'hôpital psychiatrique. Peu importe l'importance de l'événement, j'aurais été un peu déçu, parce que ça serait allé un peu trop vite du coup dans la révélation, et en plus on apprend que John Clare a travaillé dans cet hôpital psychiatrique, et donc du coup ça va donner une nouvelle dimension à la relation Vanessa Hives et John Clare, entre guillemets. Ça aurait été regrettable si justement on en apprenait trop vite par rapport à Dr. Sweet et son rôle, s'il en a eu un en particulier, dans l'hôpital psychiatrique. Et en parlant de Dr. Sweet, et de Dracula donc, j'ai enfin pu apprécier ce vampire assistant, entre guillemets, celui qu'on a retrouvé dans ce labyrinthe de miroir. Il a eu une utilité, enfin, et il était très bon, donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu le voir avant, mais du coup, il y a peut-être une puissance qui s'en dégage un peu plus grande, parce que ça a été surprenant, pour le coup. Et il a pu s'exprimer, donc c'était très intéressant. Et malgré la petite erreur technique, quand on le voit ramper sur le sol, on voit son image sur le miroir, même si on ne voit pas son visage. Donc peut-être que c'est expliqué comme ça, de manière implicite. Et donc il contribue à l'histoire très clairement maintenant. Et c'est très intéressant, parce que du coup ça a donné toute une nouvelle dimension, ça a donné un twist, un mini-twist dans l'histoire, et il en est devenu intéressant pour le coup. Il n'était pas juste inutile à être menaçant comme ça, avoir les poings serrés, à se tenir droit, et à être juste là, quoi. Donc là, il a une fonction, une vraie fonction. Concernant John Clare, je l'ai mentionné avant, j'étais un peu surpris par ce retour, donc à Londres, et en fait, c'est pas tout à fait le retour à Londres qui me surprend, c'est surtout la fin de la saison 2, donc son départ. Donc du coup, son retour annule un peu l'effet de son départ de la saison 2, et on se dit que c'était juste un ressort scénaristique pour rendre la fin de la saison hautement dramatique, alors que finalement, ça n'a eu aucune incidence. Mis à part le fait que finalement il s'est rendu compte que ça servait absolument à rien d'aller là où il était allé. Donc voilà, ça c'était dommage par rapport à la fin de saison 2, du coup, avec ce nouveau rebondissement dans son histoire. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment adoré, mais adoré de manière
c'était triste. J'ai adoré le fait qu'il retrouve les membres de sa famille, donc de son passé, qu'il retrouve les éléments et qu'il essaye de les joindre, de les retrouver. Et on sait que ça va mal finir, on sait que ça va très mal se passer et on l'attend. Et c'est d'autant plus horrible parce qu'on sait que ça va arriver, mais je sens que ça va être une catastrophe, ça va être absolument horrible. Donc, et surtout, on l'attendait. On l'attendait, ce passé qui devait refaire surface, parce que Brona elle-même s'est rappelée de tout ce qui lui est arrivé. Et pourquoi pas lui? Pourquoi lui ça ne lui arriverait pas? Donc c'est génial, et donc maintenant il n'y a plus qu'à voir comment ça va se développer, mais de toute façon ça va être hyper dramatique, c'est sûr. Je me demande si un jour il trouvera la lumière au bout du tunnel, ça va être compliqué, mais voilà. Maintenant, concernant le Dr. Seward, il y a cette énigme par rapport à qui l'a marqué sur la nuque, apparemment. Est-ce que c'est le démon, celui que Vanessa Hives a affronté avec les sorcières, ou est-ce Dracula, ou tout à fait quelqu'un d'autre? Donc je pencherais plus pour l'un des deux premiers, parce que ça suivrait forcément la narration actuelle. Et donc à voir, ça va être, on va voir s'il y aura un intérêt particulier ou pas, ou si c'est juste pour faire un rapprochement entre tous les différents éléments. Maintenant, concernant le Dr. Jekyll et Frankenstein du coup, par association, je trouve qu'on en a un peu trop peu vu, à mon goût, parce que j'aime beaucoup ce duo et surtout le Dr. Jekyll lui-même. Même si on a très peu vu, on en a vu beaucoup, j'ai envie de dire. En 2 ou 3 minutes, on s'est rendu compte que le remède ne marchait pas, et que donc lui-même était sujet à des retours de sa personnalité, Mr. Hyde, du coup. Et donc ça va être très intéressant, toute la plénitude de sa vraie personnalité, enfin de sa double personnalité du coup, seront révélées. Et on en avait eu déjà un petit bout de ce Mr. Hyde quand il se met en colère a priori pour rien. Et donc ça va être très intéressant. Et c'est ça qui est très fort aussi, c'est qu'on en a très peu vu en temps réel, donc ça a duré 2-3 minutes à tout casser, mais on en a appris beaucoup au final. Et c'est très intéressant. Concernant Ethan et la sorcière, il s'est pas passé grand chose à vrai dire, même si les scènes étaient très intéressantes en elles-mêmes, parce qu'elles étaient filmées dans des paysages désertiques du Nouveau-Mexique, et c'est donc toujours très joli, et puis la mise en scène était top, donc ça, pas de problème. Et même s'il s'est pas passé beaucoup de choses, j'ai adoré le fait qu'elle assume au grand jour ses ambitions, donc la sorcière. J'ai aimé ça, parce que du coup, il n'y a pas de cachotterie, et même s'il savait déjà qui elle était, du coup, il n'y a pas de cachotterie, et elle ne cache pas ses ambitions, et elle montre donc son désir d'emporter avec elle Ethan dans son délire, donc ça, c'était très intéressant aussi. Alors là où le bas blesse, et là j'ai une légère déception, qui est quand même progressive et elle n'est pas arrivée d'un coup, ça s'est fait lentement, c'est le clan des immortels. Je trouve qu'on a... l'évolution des personnages a été beaucoup trop rapide. Le plus flagrant, c'est très clairement Dorian Gray. Même si on savait qu'il avait un penchant pour le chaos et le désordre et le chaos social notamment, j'ai trouvé que c'était pas très bien amené, parce qu'il pouvait être doux, sympathique et avenant, et même si c'était souvent hypocrite, là je trouve que d'un coup il est passé en mode full villain à 100% d'un coup, et ouais, c'était un peu brutal dans son cas. Dans le cas de Brona Croft, c'est un peu plus subtil. Même si de manière générale je regrette le fait qu'elle soit devenue aussi 100% mauvaise entre guillemets, et que il manque un peu de facettes au personnage, c'est devenu un peu unidimensionnel, et comme je disais, c'est un peu moins flagrant parce que on a vu l'évolution dès le moment où elle est devenue une créature de Frankenstein, et donc on a vu cette évolution, même si par moments de manière séquentielle, c'était assez rapide et assez brutal, c'était assez bien amené de manière générale.
c'est un peu l'utilisation de ce facteur choc qui me gêne un peu parce que ça montre un peu la faiblesse de l'histoire et que surtout on avance vraiment en tâtonnant. Et bien que la scène érotique en sang est très belle visuellement, ça ne servait absolument aucun propos et ça ne servait absolument à rien dans l'avancée du développement des personnages. Et oui, ça manque un peu de finesse, même si on veut nous faire croire que l'évolution est assez remarquable et bien vue. Je trouve que ça manque un peu de finesse, c'est pas tout à fait bien amené. Donc, léger regret, mais à part ça, et quelques petits défauts vraiment mineurs que j'ai évoqués, l'épisode est vraiment excellent. Je dirais même qu'il était largement meilleur que l'épisode numéro 2. Et ce malgré la révélation surprise de la fin de l'épisode numéro 2, donc, quand on apprend que Dr. Sweet est en fait Dracula. Et vraiment, on est sur une lancée de la saison 3 qui est absolument merveilleuse, et il n'y a pas grand-chose à redire, en fait. Il n'y a pas beaucoup de défauts à trouver, à part les quelques-uns que j'ai pu déceler, enfin, que moi je considère étant comme des défauts. Et je tiens aussi à féliciter, en quelque sorte, je suis personne pour dire ça, mais je tiens à dire que l'écriture de John Logan est vraiment excellente, parce que... Pour le coup, dans cette saison 3, il trouve cet équilibre parfait entre le rythme lent qu'il veut instaurer et l'action, entre guillemets, et l'avancée des histoires, de la narration. Du coup, il y a un vrai rythme lent, mais en même temps, on s'ennuie pas. Ça reste vraiment divertissant et on est tout le temps accroché à nos sièges. Et c'est vraiment très réussi. Et de manière un peu plus précise, je dirais aussi que il avait une fâcheuse tendance, moi je trouvais ça un peu dommage, en tout cas ça méritait un peu, d'utiliser des citations littéraires, et je pense notamment poétiques, de la grande littérature, pour servir un propos qui était déjà suffisant de lui-même. Donc si je prends le cas de John Clare, qui est un personnage tourmenté et poétique, un peu comme l'est aussi le Dr. Frankenstein, qui a un vrai penchant pour la poésie, du coup, j'ai trouvé que le fait de les faire citer des vers ou que les personnages qui gravitent autour d'eux, comme Vanessa Hives avec John Clare, qui aussi cite de grands écrits littéraires, je trouvais que ça faisait vraiment remplissage et ça ne servait pas forcément le propos qui était déjà clair de lui-même. Et là, je trouve que il l'utilise beaucoup moins, et l'écriture en elle-même, la teneur émotionnelle des histoires, elles se suffisent vraiment. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité. Donc voilà, la recette était vraiment trouvée pour créer un épisode quasi parfait, malgré les quelques petits défauts que j'ai trouvés, relativement importants selon les cas, je pense notamment au clan des immortels, mais au-delà de ça, vraiment un très très bon épisode. Et on est sur une saison 3 qui pour l'instant est ma préférée, je dois dire, alors que la saison 2 était vraiment déjà assez extraordinaire. On est vraiment sur une bonne lancée, donc j'ai vraiment hâte de voir les prochains épisodes. Donc voilà pour ma petite critique assez rapide. Ce n'est en aucun cas une vérité ce que je dis, c'est vraiment un avis personnel, tous les détails que j'énonce d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'en est fini pour cette petite critique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, le 4e, en espérant que ça va vous divertir de nouveau. Allez, salut !